Come on. Okay. All right. So, where do we start? We thought you could start with your story with Denise Brognard. Ah. Do I really have to? Est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'on peut parler de la radio Sylvain sur Ocon? Ah ouais, avec alors Denis Brognard. They are racing to the line and Bottas has got Esteban Ocon right at the line. No, for fuck's sake. Et un loulou a pris un extrait de moi qui hurle et l'a collé dans la F1 sur la radio de Ocon. C'est Pito Choco Pépite. Que c'était tellement bien fait. Sur que Twitter. Ils sont tous tombés dans incroyable. Good morning, mesdames et messieurs, je suis Just Dozit et aujourd'hui je vais vous raconter l'une des histoires les plus incroyables qui me soit jamais arrivée. Cette histoire, vous l'avez vu dans le titre, elle implique le monde de la Formule 1, mais elle implique également plusieurs personnalités très connues de nos médias en France. Pour les non-initiés à la Formule 1, je vais m'efforcer de vous expliciter au maximum le contexte et de pourquoi cette histoire m'est donc arrivée. Et cette histoire, vous l'avez peut-être vue, elle commence sur Twitter. Les suiveurs réguliers de ma chaîne me connaissent, je suis un grand fan de Formule 1 et de Villebrequin. Et d'ailleurs, vous pouvez en retrouver de nombreuses références tout au long de mes vidéos. Oh, putain ! Hey, come on, putain de sa race ! Ah mais vraiment, il y a des trucs, c'était gratiné les mecs. Un immense tas de putains de commentaires de merde ! Et oui, je suis donc ce qu'on appelle affectueusement un loulou. Je pense très sincèrement que le tweet à l'origine de toute cette histoire n'aurait pas eu le succès qu'il a eu si je l'avais sorti il y a 2 ou 3 ans. Tout simplement parce que la Formule 1, qui a très longtemps eu une image de sport pour les beaufs un peu boomers sur les bords, a fait ces dernières années énormément d'efforts pour se démocratiser, pour se rendre accessible à un plus large public à travers différentes stratégies de contenu, à travers notamment la série Netflix, Drive to Survive, série à laquelle je fais un hommage avec le plan que vous voyez ici, puisque dans les interviews de la série, vous avez très souvent la softbox... Oh, je viens de m'exploser les yeux. La lumière avec la grille qui apparaît donc dans le champ de la deuxième caméra sur les interviews des pilotes. Et en plus de ça, cette saison était particulièrement historique. Elle était historique car pour la première fois depuis très longtemps, un duel au sommet se tenait pour le titre pilote. D'un côté, Lewis Hamilton, pilote britannique de chez Mercedes, multiple champion du monde et légende vivante du sport automobile. De l'autre côté, Max Verstappen, pilote hollandais de Red Bull, crack absolu de sa génération qui court après son premier titre de champion du monde. C'est d'ailleurs lui qui l'obtiendra après un final absolument épique. Et derrière ces deux titans, nous avons également deux pilotes français, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Et c'est le deuxième qui nous intéresse aujourd'hui. Lors de l'avant-dernière course de la saison, dont vous avez pu voir un extrait avant, une course déjà très riche en tensions et en événements, Esteban Ocon passe une très grande partie de la course à la 3e place et alors qu'il tenait son podium, se fait dépasser sur la ligne par le Finlandais Valtteri Bottas. Oh, for fuck's sake! Joke. Fuck. Un événement extrêmement rageant pour tous les fans français de Formule 1, d'autant plus quand on sait que c'est très rare qu'un français généralement fasse un podium en Formule 1, tout simplement parce que ils ont pas les meilleures voitures. Sur 20 pilotes, il y a peut-être 2, 3, 4 voitures qui sont largement au-dessus des autres, et donc c'est les pilotes qui sont à l'intérieur de ces 4 mêmes voitures qui sont quasiment tout le temps sur le podium. Donc c'est toujours un grand événement quand un français fait podium, et alors quand il gagne la course, là c'est simple, t'as le 06 du président. Oui. Étant moi-même un fan des pilotes français et de l'écurie française Alpine, forcément je faisais partie de ceux qui avaient été déçus par ces événements. Mais
C'est l'occasion d'en rire un bon coup. Si vous me découvrez, je suis youtubeur gaming, mais dans le civil, si je puis dire, je suis réalisateur, cadreur, monteur vidéo professionnel en indépendance. Dans l'heure qui suit la course, j'ai eu une petite envie de faire un petit délire sur Twitter. Et c'est là qu'intervient Vilebrequin, dont je vous avais parlé dans l'introduction. Pour vous présenter Vilebrequin, c'est un duo, Sylvain Lévy et Pierre Chabrier, qui parlent d'automobile, un peu comme la Formule 1 en fait, en ayant démocratisé un univers qui est assez austère pour la plupart d'entre nous, à travers des petits challenges, de la vulgarisation, beaucoup de procédés et aussi un ton quelque peu irrévérencieux. Bref, je suis extrêmement fan de leur travail et il y a une petite vidéo qui m'est revenue en tête au moment où Ocon se fait doubler sur la ligne. Au cours de leurs aventures, bon, je rigole nerveusement, deux messieurs en bleu viennent de me schtroumpfer mon permis. Ce qui, vous en conviendrez, est assez handicapant quand vous essayez des Ferrari, des Porsche, des Twingo. Et plutôt que de se laisser abattre par cette mésaventure, ils ont décidé d'en faire un nouvel arc narratif. Joyeux retrait de permis. Oh merde! Un arc narratif où ils décident d'adopter une voiture sans permis. Mais la rencontre est un petit peu compliquée. Pendant toute la vidéo, devant un Pierre absolument hilar de voir les mésaventures de Sylvain, ce dernier pète un câble. Ouais, j'ai envie de crever! Putain! Et c'est précisément cet extrait qui va tout déclencher. J'ai alors dans l'idée de mixer l'extrait vidéo où Ocon se fait dépasser sur la ligne avec la réaction excédée de Sylvain. Ouais, j'ai envie de crever ! Putain ! Vraiment, à la base, c'est pour ça que je vous ai expliqué tout le contexte et que je vous ai expliqué aussi mon affection pour la F1 et pour Vilebrequin. C'est vraiment juste une blague de connaisseur. Ça n'avait pas du tout vocation à prendre la tournure qu'a pris la suite de l'histoire. Et ça m'a pris littéralement 5 minutes. Il a juste fallu choper les bons extraits, insérer les bruitages de la Formule 1 pour rendre le truc un petit peu crédible, genre celui-là. Et le petit bonus pour accentuer le côté comique, parce que je le redis, c'était vraiment une blague à l'origine, c'est le bruitage du coup de poing sur le volant. Putain ! C'était vraiment pour le ressort comique, parce que moi personnellement, mon volant fait ce bruit-là quand je tape dessus, je sais pas si je remonte dans la F1 avant un bon moment, surtout que le gars est quand même lancé à 300 km/h au moment où il tape dessus. Le j'ai envie de crever, pour le coup, il était au sens littéral. Des images, des SFX et des tas de bonnes choses. Tels étaient les ingrédients pour créer un petit prank parfait. Mais accidentellement, le professeur Just Does It ajouta un autre ingrédient à cette mixture. Twitter ! Je poste donc ma petite connerie sur les réseaux sociaux, voilà, histoire de faire marrer un petit peu les quelques followers. N'hésitez pas à rejoindre d'ailleurs, on rigole pas mal. Et dès les premières minutes, le post connaît un succès inhabituel. Je veux dire, en 8 ans de vidéos sur YouTube et presque autant de présence sur Twitter, parce qu'il faut bien ça hein, pour promouvoir un petit peu ma chaîne, je peux vous dire que des mèmes à la con, j'en ai fait un paquet, et il y en a qui ont bien marché, plus ou moins correctement, genre allez, peut-être du 3000, 4000 likes, et ouais, quelques centaines de retweets. Mais jamais avec la portée que celui-là allait atteindre. Il faut aussi dire aussi qu'il a été posté quasiment dans la foulée de la course, donc quand tous les esprits sont encore un petit peu à chaud, et puis je vous l'ai dit, hein, c'était déjà le foutage de gueule sur Twitter rien que pour la rivalité entre Hamilton et Verstappen. Donc forcément, beaucoup de présence et beaucoup d'interactions en général sur Twitter à ce moment-là autour de la Formule 1. Et c'est là où je commence à perdre un petit peu la maîtrise de ce que j'ai créé, c'est que énormément de personnes tombent sur ma blague, la retweet, la partage, alors ceux qui avaient la référence, soit qui connaissaient Vilebrequin ou juste qui voyaient que c'était un montage, alors étaient très amusés et bon, le partageaient quand même assez volontiers. Mais dans le tas, il y a quand même énormément beaucoup de réactions premier degré, de gens qui vraiment sont tombés dans le panneau et pensaient que c'était la véritable réaction d'Esteban Ocon. Et le fait que beaucoup de gens soient tombés dedans, je pense que ça a aussi contribué à rendre le truc encore plus viral, parce que juste quand tu arrives à reconnaître que c'est une blague, tu retweets pas forcément, c'est juste ouais, ça t'a fait marrer, tu partages le truc éventuellement, mais la plupart du temps, tu vois, c'est juste un like. Là, il y a énormément de gens qui ont repris le tweet en mode « Oh mon dieu, OMG, regardez la réaction d'Ocon !» Les retweets s'accumulent jusqu'à forcément tomber dans les mains de personnes un petit peu connues. Et c'est là que ça devient drôle. Car parmi ceux qui sont tombés dans le panneau, il y a le bien nommé Denis Brognard.
À partir de là, vous vous dites probablement « Mais qu'est-ce que le présentateur de Koh-Lanta vient foutre dans cette histoire ?» Il faut savoir que Denis Brognard, bah ça fait 20 ans quand même qu'il est en télévision, donc des émissions, des programmes différents, il a eu l'occasion d'en tester. Notamment Automoto, ainsi que tous les programmes liés à la Formule 1 à l'époque où celle-ci était diffusée sur TF1. À partir de là, le mec a quand même traîné plus ou moins sur les paddocks de Formule 1 de par son activité. Tu te dis, il a quand même une certaine légitimité, il est censé connaître la voix d'Esteban Ocon. Surtout que c'est pas comme si Automoto avait pas fait des reportages sur lui avant. Et à la base, moi quand je vois ça, je me dis c'est tellement énorme que non, c'est pas possible. Il l'a vu, il le sait que c'est un prank. Je veux dire, pour ce que je viens de vous dire, bon, il est initié un petit peu, il le sait. En fait, non. Et beaucoup avaient pensé qu'il s'était laissé prendre au jeu, c'est-à-dire voilà, qu'il partageait la blague, mais qu'il savait très bien que c'était un fake, malgré tous les commentaires qui signalaient en dessous « c'est un prank, c'est un prank, c'est un prank ». Et au bout de 5-6 heures, bien ce cher Denis supprime. Sauf que le mal était déjà fait. Parce que 5 heures, ça a pas l'air de grand chose dit comme ça. Mais lorsqu'un contenu devient viral, et à plus forte raison si vous n'étiez pas spécialement content de vous être fait avoir, 5 heures, ça peut être une éternité sur Twitter. Entre-temps, Vilebrequin n'avait pas manqué de réagir après avoir été alerté par tous les loulous sous le tweet de Denis. Julien Febraud, commentateur iconique de la Formule 1 sur Canal+, a lui-même rebondi dessus. Donc même si Denis Brognard avait supprimé son tweet, ben ces 5 heures-là, elles ont suffi à rendre le contenu encore plus viral. Et avec cette abondance de notifications, mon téléphone est officiellement devenu une plaque à induction. Oh, quel putain chaleur! Sauf que forcément, comme tout le monde retweet, il y a encore plus de gens qui le voient et qui vont eux-mêmes retweeter. Parce que, comme Sylvain le disait lui-même dans un de leurs épisodes... En fait, c'est une règle qui est humaine et qui est reconnaissable partout. Plus tu es connu, plus tu es connu. Dans le sens où, à force que les retweets s'accumulent, eh bien, il finit par atterrir entre les mains d'un petit peu toutes les personnes et un petit peu tous les secteurs. Notamment, celui des rédactions télé et radio. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous l'avez deviné, le canular va être diffusé à la télévision et à la radio nationale. Les premiers à le diffuser, ça va être l'équipe TV. Au cours de l'émission L'équipe de Greg, dans la rubrique La Petite Lucarne du chroniqueur humoristique Pierre-Antoine Damcourt. Hier soir, lors du Grand Prix de Jeddah, vous l'avez vu, le français Esteban Ocon s'est fait coiffer sur le poteau par Bottas, il avait des boules. Il y a de quoi, Steph Curry. D'ailleurs, dans mes recherches pour cette vidéo, j'ai découvert que Pierre-Antoine Damcourt était un ancien du Gorafi, donc les prangs qu'il connaît, et que je partageais avec lui le fait d'être né un 11 janvier. Et tout le monde s'en tamponne l'oreille avec une babouche de cette anecdote. Là encore, c'est gentillé, parce que bon, c'est une chronique, c'est un zapping en fait, c'est un zapping commenté, donc avec un petit ton humoristique, voilà, 2-3 blagues par-ci par-là. Les chroniqueurs qui ne connaissaient pas la Formule 1 se sont peut-être fait avoir dans leur réaction. Sauf que je vous ai aussi parlé de radio dans l'histoire. Et la prochaine victime se nomme donc Coé. Vous savez que maintenant, grâce aux nouvelles technologies, il y a des micros partout. On entend maintenant les arbitres au football. Oui. Bien maintenant, on entend même les pilotes de Formule 1. Je commencerai cette émission en vous présentant Esteban Ocon, c'est ça ? Ocon. Ouais. Et il s'est fait doubler. Alors il est là, il roule, il n'est pas mauvais, mais il se fait doubler sur la ligne d'arrivée. Ouais. Écoutez, la réaction est claire, nette. Ah oui, là, c'est... Il parle pas des pneus, hein, quand il a envie de crever. Il a retrouvé son casque, mais j'adore le gars qui a deux doigts de gagner. On se la refait, attention. Et là, fum. Ouais, j'ai envie de crever. Putain. Les mecs ont quand même passé une minute à meubler sur un canular, hein. Je sais pas si on se rend compte. Hein. Surtout que là, on sort du contexte zapping, les mecs ont vraiment disserté. Je sais pas s'ils étaient convaincus que c'était premier degré, je pense qu'ils l'étaient convaincus. Mais à vrai dire, c'est pas eux que je blâme le plus, parce qu'on va voir encore après, c'est pas le pire. Après donc l'équipe TV et après Coé, nous arrivons donc à vraiment la plus grosse victime du tableau de chasse. Celui où, pour lequel on sort vraiment du contexte blague, des doutes, blagues et tout ça. Oula, c'est juste pas possible. Les mecs se sont vraiment fait avoir. Ouais, France Info, ouais. Une chaîne d'information nationale, qui se veut donc le plus sérieux du monde, s'est donc fait avoir par le canular du petit Just Does It. Abonnez-vous. Un livre qui offre un regard totalement inattendu sur la défaite.
j'ai envie de crever ! Putain ! Voilà le geste d'humeur du Français Esteban Ocon qui se fait souffler la troisième marche du podium. Et l'animateur que vous voyez sur ces images, qui lance donc la séquence et qui introduit les invités par la suite, vous le connaissez. C'est Nathanaël de Rinxin et vous le connaissez très bien. L'an passé, le service addictologie de l'hôpital Marmottan, c'est à Paris, a reçu 300 patients en consultation pour ce genre de problème. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des Meuporg. Explique le journal. Les Meuporg. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Mais ça s'écrit comment? Ça s'écrit MMMPORPG. Ah oui. Voilà. Bon, bah, il vaut mieux le voir écrit. Hein. Exactement. De le prononcer. C'est difficile à dire. Ouais. Lui-même, cerise sur le gâteau, les invités, c'était la Fédération Française de la Loose. Bonsoir la Fédé de la Loose, un supporter français lambda enragerait avec Ocon, vous applaudissez. On célèbre le panache de cette arrivée, clairement. Ah voilà, quatrième, hein, dixième, moi, y a pas... on pourrait avoir une quatrième place derrière, bien calé à l'arrivée. Non, là, sur la ligne, ça a toujours ce petit supplément d'âme qu'on préfère. Tout un symbole, ça pouvait juste pas mieux tourner. Alors, vous aurez vu tout au long de la vidéo mon ton un petit peu sarcastique, amusé. Cependant, ça soulève quand même une grosse problématique. Ok, je me suis moqué de Koé, je me suis moqué de Nathanaël de Rinxin. C'est pas contre les animateurs que j'ai une dent, puisque les animateurs, c'est pas eux qui prépare l'émission dans le sens où ben, eux on leur donne le contenu, on leur donne les sujets à lancer, quelques petites infos pour les introduire, et eux sont chargés d'animer un plateau, les conversations, les débats, de pouvoir tenir des timings et tout ça. Enfin, il y a énormément de pression sur les animateurs comme ça. Donc c'est pas eux que je blâme. Ceux que je blâme, bah c'est tous ceux qui sont derrière, les rédacteurs. Là je vais prendre un ton un petit peu moins amusé, mais très honnêtement, cette histoire me fait très peur. Sur l'état du journalisme français en 2022. Je veux dire, dans ces rédactions, chez Koé et chez France Info, il doit peut-être y avoir entre 15 et 20 personnes. Il n'y en a pas une qui a été foutue de contrôler l'information. En plus, c'est pas comme si c'était compliqué à trouver, il y avait vraiment juste à dérouler le thread avec tous les gens qui disent « Oh super, le canular et tout ça ». Il n'y en a pas un qui s'est rendu compte du problème. Je demande pas à tous les gens d'être des experts en Formule 1, mais quand même. Après, les rédacteurs sont en faute, mais est-ce que c'est pas tout un système global qui est en faute? Aujourd'hui, on le sait, il y a une course frénétique au buzz, à qui est-ce qui sort les infos le plus vite, qui est-ce qui arrive à être le plus attirant, qui est-ce qui fait le plus de vues et tout ça. Il y a de plus en plus de matraquage d'informations pas forcément utiles, et ça demande de traiter toute cette information à une vitesse ahurissante. Et vous vous en doutez bien, le problème quand on veut faire les choses trop vite, bah bien souvent c'est la qualité qui y perd. Et on en a un exemple parfait ici. Parce que même Denis Brognard sur Twitter, ça le concerne aussi. Je veux dire, les mecs voient passer un truc et les mecs se questionnent pas de se dire est-ce que le truc est véritablement authentique, est-ce que c'est pas un fake, tellement ça a l'air énorme. Oui, je suis monteur professionnel et donc j'ai fait en sorte de rendre le canular un minimum crédible, mais il y avait quand même quelques éléments qui permettaient de deviner que c'était un fake. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, c'est pas la voix d'Ocon, et puis surtout, les teams radio, qui sont en fait des événements très attendus par les spectateurs après la course, parce qu'elles montrent vraiment les émotions des pilotes lors de leurs échanges avec les écuries qui sont dans les stands pendant la course. Normalement, les teams radio sont en anglais, puisque la F1 est un sport international, et que même si vous êtes un pilote français, vous pouvez très bien avoir un ingénieur de course italien, espagnol, britannique, donc c'est en anglais. Et je vais pas vous mentir, quand j'ai vu l'ampleur qu'a pris le phénomène, je suis devenu soudainement très inquiet aussi, pas seulement pour l'état du journalisme français en 2022, mais pour la réaction des premiers concernés, à savoir Esteban Ocon et Alpine, en me disant j'espère qu'ils l'ont pas mal pris, j'espère que je vais pas être emmerdé, même si, je le redis, l'intention de base c'était vraiment juste de faire une blague pour connaisseurs qui avaient absolument pas vocation à piéger des médias suivis par énormément de personnes. C'est que du sport et ça reste relativement gentil et inoffensif, parce que je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais avec juste 2-3 cuts, 2-3 ressources bien placées, il est possible de faire bien plus grave que ce que j'ai fait. Imaginez, j'aurais voulu mettre des saloperies dans la bouche d'un politique, vous avez bien vu à travers cet extrait que ça n'était pas si difficile. Ça me permet d'ailleurs de vous raconter une anecdote de ma vie professionnelle. Avant d'être indépendant, je travaillais dans un organisme de formation et je faisais des vidéos pour promouvoir et vendre ces formations. Et pour les besoins du film, j'avais besoin de récolter quelques témoignages d'apprenants, quelques témoignages de satisfaction. Et parmi ceux-là, il y avait une personne, alors qui était au global satisfaite, mais qui avait quand même
certains points à redire sur la qualité de certains programmes et sur la façon dont ça avait été présenté. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé au montage? Vous vous doutez bien que, parce que c'était mon boulot et que j'étais payé pour ça, je me suis pas gêné de cutter évidemment tous les éléments négatifs et de reformuler les éléments pour que même ceux qui avaient l'air un petit peu négatifs, remis dans un certain ordre, donne quelque chose de totalement positif. Et lorsque j'ai montré la vidéo à celle qui l'avait commanditée, elle a eu deux réactions. D'un côté, elle était très contente d'avoir un film qui marchait, avec de belles images, avec une bonne musique, qui vendait vraiment la formation. Et de l'autre côté, elle était absolument terrifiée de constater la facilité avec laquelle on peut faire dire n'importe quoi aux images. Le résultat final de toute cette histoire, ça aura été un peu plus de 3000 retweets sur Twitter, avec plus de 16 000 likes, plus de 700 000 vues pour le clip sur TikTok, mais pas tant que ça d'abonnés en plus. Les autres enseignements, c'est que l'on peut se rendre compte que c'est très facile de manipuler l'information pour faire dire ce qu'on veut aux images. Alors imaginez ce que ça peut être avec des datas manipulées par des gens qui les arrangent de façon à servir le discours qu'ils ont envie de vous servir, et que cette course effrénée au buzz et à l'audience mène forcément à une qualité de contrôle réduite quant à la véracité des informations, et à un moment, bah arrive ce qui doit arriver, hein, c'est-à-dire que tu te casses la gueule. Et je suis même pas sûr qu'ils en aient quelque chose à foutre. Toujours est-il que je n'ai jamais eu l'intention de causer du tort à Alpine ou à Esteban. Je rappelle que à la base je suis juste un youtubeur qui veut faire des vidéos humoristiques sur des jeux vidéo, qui veut délirer avec ses potes, qui veut entraîner d'autres personnes dans leur délire, même sur des jeux dont ils sont pas fans, même des gens qui ne sont pas forcément fans de jeux vidéo. Et c'est la raison pour laquelle ça me ferait extrêmement plaisir que vous preniez le temps de découvrir le contenu que je crée à côté de cette histoire, parce que ça risque peut-être pas de se reproduire de sitôt, mais en tout cas moi je vais continuer à faire mes petits délires dans mon coin comme je l'ai toujours fait, comme j'ai toujours eu envie de divertir des gens, d'amuser des gens, avec des références à la F1, à Villebrequin, à Bonne Nuit les Petits, à Tintin, à faire vraiment ce qui m'amuse. Et si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, bah j'espère que ça vous plaira. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Et pour jeter un œil à mon travail, vous savez où aller, hein, y a la chaîne Just Does It qui est indiquée en dessous de la vidéo. Le petit bouton s'abonner, ça je vous l'impose pas du tout, hein, parce que c'est peut-être pas ce pour quoi vous êtes venu, mais en tout cas, si vous appréciez le contenu, bon, il viendra naturellement, je vais pas forcer pour vous l'imposer. Et si les vidéos gaming c'est pas votre truc, mais que vous aimez quand même quelques conneries autour de la Formule 1 et autour de diverses thématiques, bon bah il y a le compte Twitter d'où tout est parti, hein. N'oubliez pas le forçage les enfants, c'est très important. Et même si l'on ne se revoit pas, une très belle année 2022 à vous, et pour ceux qui ont décidé de me suivre ou qui me suivent déjà depuis longtemps, merci pour la force. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos à caractère rigolo. C'était Just Does It, ciao bye. I saw you living it up.